Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, il voulait pas savoir. Ce cri était super bien fait, je suis le premier à l'admettre. Est-ce que j'ai une chance de remonter là-bas? Je pense pas, non. J'ai le droit de rêver, mais... Voilà, adieu. Reprenons, pouf pouf. Il s'est passé que... J'ai persisté... Oh, pff, un peu comme là, tu vois. Ouais, c'est ça. Oh, je me suis éclaté en... On me pas éclatant. J'ai persisté à faire une manip qui n'avait pas lieu d'être. Et donc, je vous expliquerai après. Mais en fait, il faut passer juste en faisant la flottaison dans ces cercles. Ça sert à rien de se trafer dedans. Oh, attends. Attends. On y va. En fait, oui, je me suis posé encore un faux problème, comme d'habitude. Sur ce genre de truc. Mets-moi là-haut. Envoie-moi là-haut. Là-haut. Oh, purée, mais... Oh! J'ai un problème, moi, avec les téléporteurs, aujourd'hui. Hein. Ok, bon, on voit pas, c'est pas grave. Je finis de discuter avec les viewers. Il se trouve que oui, j'ai eu encore un gros souci. Il suffisait de passer dans le truc et de se laisser voguer, mais voilà. Il y a des fois, ça veut pas avec moi. Mais pourquoi ma touche ne marche plus du coup? Il y a des fois, ça veut vraiment pas, même, je dirais. Je récupère, c'est à moi ça. Oh ma Z, quel carnage! Ce final était très très amer pour moi. Oui, c'est l'amer final. Ça me rappelle un jeu comme ça où il y avait une tour finale à escalader. C'était pas Jet Set Radio Futur, c'était pire que ça. C'était un jeu pareil où on raidait dans une ville. Ah, ça m'est complètement sorti de la tête. Et pareil, cette grande tour à la fin qu'il fallait escalader, qui faisait des centaines de mètres de haut. N'en finissez pas et j'ai cru que j'allais vomir toute ma race dedans, quoi. Si vous retrouvez le nom de ce jeu, marquez-le. C'était des quartiers qu'il fallait déverrouiller. Et on pouvait, on avait des sorts électriques, je me rappelle au début. Et vous allez tout de suite retrouver. Marquez-moi dans les commentaires le nom, ça me ferait bien plaisir. C'est moi. It's me, boy. Je sais pas ce qui m'attend, je sais pas du tout. Montrez-vous qui cherchez la lumière. Il me va bien comme chapeau, ce petit coquin. J'ai le temps erré ici, rongé par le doute. Mais je vais remplir mon devoir. Je vais faire ce dernier pas, en espérant que la porte m'apportera la paix et la liberté que je recherche.
Grou-grou. Grou-grou. Eh oui, les amis, quelle autre meilleure illustration pour l'important? Ce n'est pas le but, mais le voyage. Et en plus, on s'est fait un nouvel ennemi pour la vie. Et voilà, Omno, un jeu fait par un programmeur, plus une personne qui lui a filé le coup de main pour la partie bande son, qui est super bien foutue. Et une grande joie à partager, puisque oui, le pari est réussi. Il nous a fait un chouette jeu, un chouette trip, un chouette voyage. Alors ça pourrait être améliorable, c'est certain. Les gens, comme vous et moi, en demandent encore et se disent, oh, moi j'aimerais bien. Ça aurait été bien si ça avait été un monde un petit peu plus bossé sur les trucs un peu cruels où on se casse la tête. Et je vous rappelle que j'ai pas fait le parcours moi avec le 100% à chaque niveau. Mais personne ne vous empêche de tenter vous-même le 100%. Et puis quand vous le maîtriserez, vous pourrez vous amuser à essayer de speedrunner le jeu. Parce qu'il y a des façons de passer, vous avez vu, les passages sont assez tortueux parfois. Il y a des raccourcis qu'on peut faire un petit peu au culot. Donc, bah, pour un jeu à 20 balles, franchement, foncez, Omno, c'est une super chouette expérience. Si on peut souhaiter qu'un truc, bah, c'est qu'il y ait peut-être un nouveau volume de Omno, pourquoi pas. C'est jouable. Où il travaillerait vraiment avec une grosse équipe cette fois. Et il nous ferait des niveaux très complexes, très avancés, ce serait pas mal à essayer. C'est une idée comme une autre. Ou alors qu'il nous fasse un jeu complètement différent, allez savoir. En tout cas, l'ambiance est super réussie. Je vous avais dit, c'est très stylisé, mais ça fonctionne à plein pot. C'est vraiment un grand plaisir d'aller là-dedans. Bon, après, le stress des derniers niveaux, c'est personnel. Allez, je vous abandonne sur cette belle musique. Oui, j'ai beaucoup de boulot moi pour cette 5e saison de The Big Game Oski. Merci d'être toujours là.
pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve pour de nouveaux jeux bientôt.